Madame et Monsieur la famille Nabdou, bienvenue sur la plateforme Bolaï qui c'est plateforme YouTube 1804 Réseau Nouvelle. Bienvenue sur la plateforme Actualité. Alors même qui poko abonné avec channel ça, invite ou sur vidéo ça même, abonnez qu'on y a, les qui ont fin abonné, activez la cloche notification là, retirez sous personnalisé, mettez sous tout. Yon façon pour qu'a toujours été notifié avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Madame et Monsieur, une autre fois encore, c'est avec même la moi, même Fougla. Nous comptons entrer la caillou pour capable porter ba ou bon gens information cap dominer actualité a tant sur le plan local que sur le plan international. Sans plus tarder, apporter directement en dans développement information nous pour pouvoir raler chez vous, monter volume en attendant audio ça avec pour plus de détails. Hier qui était vendredi. Pendant que Conseil sécurité des Nations Unies est réuni pour capable décider sur situation pays d'Haïti dans Kenya. Juge Chacha Muita lui-même tout. Il était chita sur une chaise dans un tribunal très haut dans le pays Kenya. Lui-même tout, il a décidé sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Juge l'a déclaré, en ce qui a trait pour voyer force police Kenya dans le pays d'Haïti, eh bien, il a bloqué. Décision ça. Décision ça a pris 40 minutes pour y aller l'île. C'était des bagailles qui étaient longues. Côté que, juge l'a tapé expliqué pour qui ça, les pensées, dans moment ça, le pape d'accord pour police Kenya monter en Haïti. Il déclarait, déploiement force police nation dans le pays d'Haïti, n'est pas constitutionnel, n'est contre la loi. L'illégal, li pas correct. Il dit force police Kenya pas capable d'entrer en Haïti. Il pourrait expliquer pour qui ça. Nous connaissons pas trop longtemps de cela. Parlement dans le pays Kenya te baille feu vert. Je te dis pas de problème, yo approuvé pour que force police Kenya te entre en Haïti. Yon bagay qui te fait président Kenya, c'est William Ruto content en pile. Mais, coup suprême, dans le pays Kenya, yo pas pile en fret en bas pied yo. Yo pas dormi dans même cabane avec gouvernement. Parce que ce sont des branches qui, indépendants, yo capable de décider qui ça yo doit faire avec qui ça yo pas doit faire. Yo un pays qui a un bon système de justice, qui a une démocratie qui a grandi, qui gagne des institutions qui indépendants, li rend pays ça bien marché. Lorsque yon voyon bagay pas bon, eh bien, wap gagne yon l'autre branche qui interdit ou ben mette yon frein dans bagay ça. Eh bien, c'est ça qui t'est arrivé hier. Mais ça, juge l'a déclaré. Si wap gade dernier paragraphe, la li dit. Li pas contesté qui pas gagne réciprocal arrangement entre Haïti avec Kenya. Pas rien, yon réciprocal arrangement. Qui ça veut dire? Ça veut dire entre Kenya et Haïti. Pas de accord qui signé. Côté que jugement ou bien bagay qui fait en Haïti, yon légal et acceptable dans le pays Kenya. Et bagay qui fait aussi dans le pays Kenya, yon acceptable et légal dans le pays d'Haïti. Pas de réciprocité. Bagay ça, ta dû signer avant même que yo ta fait demande pour voyer force police Kenya dans le pays d'Haïti. Et à cause de bagay ça, juge la lui-même, li bloqué genre de décision ça. Décision ça, mesdames et messieurs, te fait président pays a fâché en pile. N'a parlé de William Ruto. Ou capable voir dans visage li, ça fait le fâché en pile parce qu'il t'est espéré. Il t'a mené force en Haïti. Parce que Kenya, li besoin bagay ça, pour capable lever statut Kenya dans le monde là. Et, ou capable voir qui ça qui a apporté, il déclaré, décision ça, li représente yon l'autre calotte à président William Ruto. Parce que, selon ça qui nous apprend, coup suprême dans le pays Kenya, c'est pas des tabocs qui a baillé président Ruto depuis 6 mois qui a passé là. Ça veut dire que tout bagay qui a demandé, juge toujours refusé pour yon balil. Juge Chacha
t'es aussi déclaré n'importe action ou bien étape qui t'apprend par n'importe organe ou bien n'importe officier pour t'avancer avec décision ça. Eh bien, ça lui-même, il peut entrer en désaccord avec constitution et loi pays. Et s'il t'a fait, il déclaré, il pas constitutionnel, l'illégal et bagay ça invalide. Il pas yon bagay qui valide ou bien qui réel. N'importe décision qui t'apprend en dehors de ça qu'il dit là, eh bien, juge a déclaré, ça pour aller en erreur grave au président Ruto s'il t'apprend décision ça. Mesdames et messieurs, faut me faire une connaissance avant que nous avancions. Bagay sa kap passe la, li gen en pile politique là-dedans. Haïti pa gen rien pour wè avec décision. Gen yon politique local nan pays Kenya. Kote ke juge yo, yo assure yo ki ap veye en haut, y ap veye en bas pour que président pays a pas décidé pour agir comme un dictateur. C'est en pile décision qu'a prend pour empêcher William Ruto avancer pour le point pouvoir pour faire ça qu'il veut. Bon, fait nous voir qui ça juge ça, mesdames et messieurs. Juge Chacha Muta, qui ça qu'il dit en 2021. En 2021, juge Chacha déclaré président, ça veut dire qu'il n'est pas président. Yo capable mener à la justice personnellement. C'est pas en termes de président, non? Personnellement, yo capable mener la justice s'il a agi en dehors constitution pays. Yo capable mener à la justice personnellement s'il a agi en dehors constitution. Ou bien t'as fait n'importe bagaille pour t'a méprisé constitution Kenya. Ça, c'est parole qui se t'embouche, juge Chacha Muta, le 13 mai 2021. Ça veut dire, pendant que n'a parlé là, président William Ruto, t'a doué, mette tigou de l'eau dans divin. Nous tendons qu'il est déclaré, il pourra aller dans coup d'appel pour décision ça. Mais mesdames et messieurs, c'est une bataille qui pourra le faire entre lui-même avec tribunal dans le pays. Après décision ça, mesdames et messieurs, Ariel Henry bon côté pâle, t'as doué paraître pour t'a fait une déclaration. Mais déclaration ne pas tant pile. Ariel Henry simplement dit, nous pourrons continuer pour nous faire effort diplomatique dans la communauté internationale là. Ça, c'est seule parole que Ariel Henry bon côté pâle t'a déclaré. Il n'a pas dit rien plus que ça. Seulement, il pourrons continuer diplomatique effort avec support communauté internationale là. C'est pas seulement ça. Ça yo qui t'es pensé avec l'arrivée force là, yo t'es capable de gagner un souffle et bien yo t'es senti vraiment décision ça pas bon pour yo du tout. Mais même côté à tout, il y a un pile haïtien tout qui content du fait que bagay ça li pas arrivé dans pays là côté que yo bloqué force là. Aux États-Unis, li même tout. Bagay ça bouleversé. Joe Biden gain problème parce que dans un moment d'élection qui va le faire tout près à la situation des autres kios immigrants qui a rentré aux États-Unis créé un gros problème pour Joe Biden. Dans sens ça a déclaré Joe Biden pour aller chercher qu'on est qui gens pour ta résoudre problème ça, pour ta calmer de l'eau en Haïti afin que bagay ça pas affecter élection 2024 là. Très important. Ça veut dire mesdames et messieurs, élection hein qu'a fait en 2024 il vraiment mette en pile pression sur Joe Biden pour joindre une solution au plus vite que possible pour la situation en Haïti. Allez bien, problème en Haïti crée problème pour les États-Unis. Et dans la situation ça, il doit faire ça qu'il est capable pour joindre une solution au plus vite que possible à bagay ça. Parce qu'il peut affecter l'élection qui va le faire là en novembre 2024. Mesdames et messieurs, en nous parler de décision ça qui prend hier. En pile question à poser, il y a en pile émotion, il y a monde qui content, il y a monde qui pas content. Mais on nous pose question qui est plus important. Qui ça même ça veut dire
pour Haïti? Et qui ça le dit spécialement pour le mouvement Révolution 2024 là? On en parle. Environ 2 semaines passées, moi t'ai partagé avec vous-même un message que Guy Philippe t'a publié. En dans message ça, t'ai un bagaille que Guy t'a dit et il te voyait à un pays bien spécifique. Message ça, t'es si important. Gros journal aux États-Unis. T'es parlé de lui. Mais ça, qui t'est rapporté? Journal à Société de Presse dit, Guy Philippe, ancien leader rebelle pays d'Haïti, implore Kenya dans une vidéo message pour lui pas autoriser police ou bien militaire pour entrer dans le pays d'Haïti. Tenez bien, mesdames et messieurs. Ça, c'est important. Si vous suivez le mouvement, ça, chaque bagaille qu'a dit, ou doit comprendre, li, dans le contexte qu'il y a, et qui ça le dit, pour le mouvement, ça. Bagaille, ça, c'est si tellement important. Il est rapporté encore hier, pendant que je n'ai pas parlé de décision. Guy Philippe. Voyons message côté qu'elle y implorer gouvernement Kenya ou bien peuple Kenya dans un message de vidéo pour ne pas autoriser police ou bien militaire dans le pays d'Haïti. Guy Philippe déclaré peuple haïtien yon yowè Kenya tant que ses frères africains qui yoyé. Ça, c'est Guy Philippe, mesdames et messieurs, qui a parlé avec peuple Kenya. Côté qu'elle dit, nous, en tant qu'Haïtiens, nous regardons peuple Kenya comme frère africain. Mais, si police t'a déployé dans Caraïbes là, peuple Kenya, poil devenu ennemi de Haïtien yo. Pour qui ça? Parce que li poil fait semblant que y a supporté yon gouvernement qui pa gagnen légitimité. Mesdames et messieurs, m'vle pou comprendre avec en pile attention message ça que Guy Philippe te voye by peuple Kenya. Now, m'papa jita là pour mal di ou que décision que yo prend c'est parce que Guy Philippe te fait demande ça. Mais m'papa aussi jete notion que ça li gen droit gen effet là-dedans. Malgré m'se t'expliquer nous. Juge chacha li expliquer pour qui ça li refuser pour autoriser force police pour en Haïti. Il parlait de ça qui relait réciprocité qui pas exister entre Haïti et Kenya. Nous comprenons ça très bien. Mais politiquement, psychologiquement, nous pas capable de dire que bagay ça, il pas gagné un effet même dans tête moun kap li message là ou bien moun qui t'entendit message là. Li son message qui clair, li puissant, li basé sur histoire et li gen sens. Guy Philippe, que nous considérons comme tête révolution 2024, parce que c'est lui qui l'a annoncé, voyez un message by peuple Kenya pour lui demander, s'il vous plaît, pas faire ça. Pas déployer force dans le pays d'Haïti. Parce que Guy Philippe, avec tout le monde qu'on est, force Kenya ça, il peut le faire un bagaille spécifique. Et même l'elle t'a échoué, mais il y a un bagaille nous connaît qui peut l'accomplir. Il peut
bail gouvernement Ariel Henry a plus j'arrête pour rete côté que lié. Et c'est pas seulement ça mesdames et messieurs que Guy Philippe t'a dit dans message lié. Si nous songe. Mais ça encore qu'elle t'a dit. Nous gagnons gouvernement, ça c'est Guy Philippe qui a parlé. Nous gagnons gouvernement ici en pays d'Haïti qui pas gagné légitimité. Pas gen personne qui remet yo. Tendez bien oui. Nous gen gouvernement ici là dans pays nous qui pas gagné légitimité. Pas gen personne qui remet yo. Gouvernement ça l'a aidé gang. L'a touyé moun ki innocent. L'a kidnappé et servi intérêt impérialiste. Ça mesdames et messieurs, c'est message ça que Guy Philippe te voyé by Kenya avant même yo te prendre décision ça. Encore m'pa pas dit, c'est ça que Guy Philippe dit qui influencé décision moun sa yo, mais psychologiquement li très significatif, li très important. Li ajoute yon lot force j'arrête nan mouvement sa. Yon bagay ke nou pa kapab ignore. Yon bagay ke nou pral utilize matin la pou nou montre yon proposition. Comment que avec décision sa, Haïti kapab commencer bay yon lot message, yon lot visage, yon lot vision pou sécurité pays d'Haïti. Très important, suivre n'ap continuer. Guy Philippe continue pour le dire. Solution Haïti a, li inclut pour nous tabay force à police nationale et la MEA pour capable établir sécurité dans le pays. D'abord, non seulement Guy Philippe mandé Kenya pour yo pas venir dans le pays, pour yo bloquer demande ça que Ariel fait, mais aussi li bay solution. Solution li capable sorti dans pays d'Haïti côté que avec la police, avec la MEA, BESAP ensemble avec tout, avec tout monde dans pays ça yo qui gen bonne volonté pour changer pays yo capable porter une solution. Dans sens ça nous pas besoin yon force entre dans pays ya, nous capable résoudre li. Frèm sèm, sincèrement m'm di non bagay, m'pa jam kache sou pòm a force ça. Même de toujours dit, m'pa kwè la vin bay solution, même kwè la kaban nou yon souf. Nou kapab gen yon souf pou yon titan. Même de toujours dit, le moment que force sa ale, n'ap tounen bak nan même situation que nou yè. Sa vle di, décision sa, mwen senti ke l soulajem. Pou ki sa? Parce que, kon y a la, mouvement pou nou changer peyi a tout bon. Capable fait. Mouvement pour nous changer pays à tout bon, capable fait. Un changement qui capable durer. Un changement qui pas dépendre d'une force internationale lorsque yo aller tout le monde tourner faire un bagarre encore. Mais si changement ça, c'est nous-mêmes qui établir, c'est la MEA qui mettel, c'est police qui mettel, c'est force dans pays qui mettel. Moi penser il capable durer. Maintenant, on va parler nous qui ça moi-même, moi pensais que t'as dû faire dans moment ça. Pendant que t'as parlé de nous qu'on est bien, les États-Unis sous pression ou bien en bas pression. Moi à peine expliqué côté que Joe Biden senti qu'on y a là, des pieds marrés dans un grand soulier, avec situation élection qui va le faire en novembre côté que les républicains a utilisé toute opportunité bagaille immigration ça pour craser des monsieur dans sens ça. Joe Biden doit tendre raison et prendre des décisions ou bien aider dans ça que m'bral dit là. Puisque US tape chercher une force qui pour entrer dans le pays d'Haïti. Pour qui ça? Parce que selon ça, gouvernement haïtien déclaré, police pas capable, l'armée pas capable, pas gagne un pays qui travaille. Mais je dis là, voit peuple haïtien bail une autre réalité. Voit peuple haïtien montrer, c'est pas vrai.
C'est possible. Police nationale, l'armée d'Haïti, capable de camper pour résoudre le problème. Nan. Kenya, avec force pays qui était d'accord, tabman nous environ 3 à 5 000 polices. 3 à 5 000 polices. Ça n'y a pas un rien, comparément à ça que nous-mêmes, nous sommes capables de jouer dans le pays. Il y a un pile jeune garçon, un pile jeune femme qui tout prêt, mesdames et messieurs, pour entrer dans le pays. Dans ce sens, moun sa yo qui en charge mouvement ça. Et spécialement Guy Philippe, parce que c'est lui-même qui dit li gon mission pour aider pays d'Haïti. Moi t'ai suggéré dans les médias pour yo ta commencé ensemble yon délégation, yon groupe qui vous paraît devant Nations Unies pour proposer yon l'autre solution, yon solution haïtienne. Qui inclut l'armée, police, BESAP et tout peuple en général. Voilà, c'est comme ça l'information à TI. Merci à vous-même qui prenez le soin pour garder toute vidéo. N'oubliez pas de quitter par dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Je vous remercie pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.